Allons, gars, désolé, changer ma tenue. C'est toujours comme ça quand c'est toi qui dois donner. Toujours là à faire attendre. Gars, tu fais même bien d'en parler. J'ai donné tout mon salaire à Sinita. Je n'ai même plus 5 francs. Donc, s'il te plaît, tu vas gérer après, je vais te rembourser. Regarde-toi, tu es devenu un enfant. Vous avez déjà fini. Maman, le gaz est fini. Il n'y a pas de souci. J'ai toujours la réserve de gaz Bocom. Quand le gaz finit, il y a un numéro qu'on appelle. Dans 5 minutes, tu es livré. Ma chérie, Maria, va prendre la bouteille de gaz sur la voisine. D'accord, maman. Maman, t'es fluide. Ah oui, Bocom fait comme ça. Très rapide. Maman, j'oublie. Oui. Tantine Akambe était ici. Ne se décourage pas. Hein. Oh non. Maman, elle a babadé là-bas. Ou elle racontait quoi? Oh. Maman, je n'ai même pas. Je me suis même pas intéressée. J'espère qu'elle n'a pas mangé mon gâteau ici. Elle va passer par où? J'ai invité ce week-end une amie à venir dîner avec moi. Et elle viendra sûrement avec son copain. Sans souci. Tu sais, jusqu'à présent, j'ai eu aucun de tes amis. C'est vrai. Sauf que je t'interdis de flasher sur elle et de gâcher sa relation. Mais Brenda, je mérite moi un peu ton respect. Parce que tu penses que tu le mérites avec tout ce que je sais de toi. Et le fait que tout soit très souvent. Tu réponds sur quoi? Mais il y a quoi? Je vis seulement avec les lettres. Michel, donc comme ça tu as le courage de te lever le matin. Tu t'habilles, tu poses au travail. Tu rentres le soir nous poser la question de savoir comment était notre journée. Et tu penses qu'on va te répondre. Akamba, tu sais quoi? Là où je me trouve là, moi j'ai passé une dure journée aujourd'hui. Donc je suis fatiguée, je n'ai pas la tête à ça. Tout ce qui me reste à faire ici là présentement, c'est d'aller prendre ma douche et me reposer. Alors, la princesse. En tout cas, vous n'avez pas besoin de faire un dessin, j'ai compris. J'ai déjà compris que dans cette maison, c'est moi la marionnette. J'ai compris que dans cette maison, comme je n'ai pas de travail, comme je n'ai pas de maison, vous êtes libre de pouvoir me manipuler comme vous voulez. Erreur. Vous avez compris, non? Erreur. Vous m'avez montré que je suis seule dans mon camp. Dès cet instant, comme je vous parle là, la machine est lancée. Voilà. Akamba. Akamba. De quelle machine parles-tu? J'espère que tu ne prépares pas un mauvais coup. Grand frère. Mauvais coup ou pas mauvais coup, ma machine est lancée. Hey. Ah. Une femme qui vivait en harmonie avec son mari. Un jour est arrivé, le mari est décédé. Vous êtes grand. Et bientôt vous irez en mariage. Où vous ferez désormais votre vie avec quelqu'un à qui vous aurez à rendre compte de tous vos agissements. En tout cas, pour la femme bantou,
quand j'ai connu votre père. J'étais petite. Très jeune. Je sortais de chez mes parents, là à Longchartier. Nous sommes aimés. Et il a décidé de m'amener ici, dans cette ville, où il m'a tout donné, tout ce qu'une femme peut désirer. Comme tout homme, je ne dirais jamais qu'il était parfait. Mais il a toujours été là pour sa famille. Malheureusement, la mort l'a emporté très tôt. Maman, tout va bien. Il m'a tout donné. Parce que moi, je lui ai consacré tout. Ma naïveté et mon dévouement. Même quand je voulais autre chose, qui ne pouvait me donner pour mon épanouissement. Je me débrouillais qu'il était. Il était tout. Nous sommes battus tous les deux. Pour tout ce que vous voyez. Nous sommes fiers de cette vie que vous nous avez donnée et que tu te bats à maintenir. Je n'arrive plus à causer avec votre tante ni votre oncle parce qu'ils veulent que je partage ce qui vous revient. Mes enfants, je ne laisserai jamais quelqu'un prendre ce qu'il vous appartient. Pas de mon vivant. Sunita, tu dois te dire que je ne t'aime pas. Mais c'est faux, ma fille. Je me soucie de ton lendemain. Si tu penses vraiment que ton avenir, c'est dans ton téléphone. Tiens. Promets-moi que tu vas retourner à l'école et d'être bien sage. Tu peux compter sur moi, maman. Je te promets de faire les choses qu'on te conseille. Je sais. Ton père n'est plus. Mais depuis que je t'ai présenté Dema, tu crois que je t'ai trahi. Mais c'est faux, ma fille. Il est différent et tu gagnerais à le connaître. Sans lui, je me demande comment on s'en sortirait. C'est la seule personne avec qui je cause qui essaie de me changer sans me mettre la pression. Je l'aime et lui-même, il m'aime tellement. Je ne te demande pas de l'accepter, mais d'être plutôt gentil avec lui. Voici le reste de ton argent de pension qu'il a donné, malgré votre rencontre de la dernière fois. Merci, maman. Ça ne lui a pas empêché de faire ce geste. Mes filles, ne changez jamais qui vous êtes. Like you lost another one.